la presse. Alors, liberté la presse. Donc, je dis, il y a un pile d'événements à travers le monde sur liberté la presse. Donc, nous avons un programme spécial et nous avons parlé de journalistes qui courent, qui étaient à Haïti pour raison, pour persécution, pour quelque soit raison. Hein. Et qui ont que médias qui sont aux États-Unis, qui ont fait pour au moins arriver, ouais, si vous êtes capable d'informer la communauté haïtienne qui, par exemple, dans New York, par exemple. Quand nous avons un journal haïtien qui c'est Haitian Time, que Gary Pierre à diriger. Donc, c'est ça. Donc, nous avons plus de bain à parler pour une occasion. Alors, actualité sur le plan international, nous connaissons une grosse inondation qui passe au Brésil, et bien, il y a tout et un peu de monde. Nous arrivons à parler de nouvelles à tout. Il y a tout et manifestation continue aux États-Unis sous attaque, ou bien encore attaque que Israël a menée et dans le territoire Gaza. Donc, c'est en faveur Palestine, en Israël a déroulé, pas seulement aux États-Unis, mais quitter les États-Unis, y aller dans l'autre pays, tant qu'en Australie, par exemple. Donc, ça, c'est un autre point encore. Il y a procès, ancien président Donald Trump, qui a continué à New York. Je veux dire, il y a un ancien assistant, qui c'est Madame Hicks, qui est censé témoigner dans le procès-là, qui, d'après l'expérience, capable de durer même plus de un mois. Selon Jean-Baptiste, vous allez qu'on y a là. Et puis, dans un autre point qui est censé dominer l'actualité à tout, nous va parler, en fait, on parle déjà de liberté de la presse. On va parler tout de, d'abord de dossier Moyen-Orient. Eh bien, il y a M. Amasio, avec qui dit qu'il y a pour une délégation en Égypte qui pourrait aller continuer le dialogue pour essayer de cesser le feu dans la guerre qu'ils ont amenée dans le territoire Gaza. Et alors, les États-Unis disent que, quoi que Israël fait une proposition que Hamas, qui satisfait presque toute demande, Hamas te fait eux. Donc, c'est ça que le secrétaire d'État américain a même dit tout. Il dit que Hamas n'a pas intérêt à refuser et accepter proposition ça. Et que si on problème tout, que, il dit que c'est Hamas qui campait et dans mi-temps et qui empêchait la crise à résoudre. Donc, monsieur, il semblait que l'idée pour aller en Égypte pour justement discuter dernier plan et les libérations otages et puis libérations prisonniers palestiniens avec tout front campé sous guerre. Mais le premier ministre Benjamin Netanyahu dit qu'il va continuer l'attaque la mener dans la ville Rafah, sous libéral mener l'attaque dans la ville Rafah avec sans un accord avec. Et à Massio, que on sait s'il fait, mais pas qu'on sait s'il fait, mais la menace attaque quand même. Si on est dans le pays d'Haïti, et bientôt, c'est conseil présidentiel transition qui n'ont problème, parce que justement, et il y a une grosse critique, par exemple, la Valas, qui est représentant dans le conseil là, il y a tout, à Comontana, qui est représentant dans le conseil là, et bien, il y a deux saillots, et bien, il y a critiqué, on va mettre de l'eau dans la bouche, puis il y a critiqué façon, une majorité était dégagée parmi sept membres du conseil là et qui était justement accouché au BV by Edgar Leblanc fils d'abord comme et coordonnateur et comme président du conseil de transition hein. Et puis tout qui était désigné et Fritz Belizer comme candidat pour ce ministère. Alors nous dit comme candidat pour ce ministère parce que depuis l'annonce de la fête, la responsable a sorti une après l'autre pour modifier ça, mais elle a dit non, c'était déjà choisi M. comme premier ministre. Mais l'autre partie concerne le sorti dans la rue, il a dit, et d'abord, ils ont côté que la majorité n'a pas représenté tout le conseil là, donc il n'a pas engagé, l'action majorité n'a pas engagé tout le conseil là. Donc, on peut comprendre que Lestie Voltaire, Fritz et Alphonse Jean, avec un autre membre, eh bien, eux-mêmes, ils sont considérés comme minorité, mais ils disent que n'est pas engagé. Donc, le fait qu'ils n'est pas engagé, donc, ça veut dire que c'est déjà un doute encore sur la façon que ça a été fait. Ils ne disent pas que un consensus général qui a été fait. En tout cas, et n'a pas une communauté internationale là, beaucoup vraiment réagi sous nomination, parce que le conseil a dit, même tu dis, même tu vas faire élection. Et puis d'un coup, on a été, il dit, organiser une réunion, il dit, pas d'élection encore, et il y a eu un consensus historique.
Et alors que mon minorité dit pas de consensus dans le temps. Donc ça veut dire que parti fermé la valasse avec Montana, et bien même il fait des propositions qu'on y a. Il a demandé, par exemple, Montana a demandé à ce que le conseil là, t'as de gon, on sort de présidence tournante. Ça veut dire que chaque 3 mois, par exemple, il faudra qu'on un nouveau président. Et il y a l'autre monde qui dit qu'on y a là tout, il propose tout à ce que les gens votent qu'a fait une décision, par exemple, sur le conseil électoral provisoire, sur quelle que soit la décision qu'a pris, sur le choix premier ministre, là. Par exemple, il faut qu'au moins il y ait 5 membres sur 7 au lieu de 4 sur 7. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une graine de minorité là, qui vous d'accord avec tout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on parle qu'on sorte de coalition quand même. Donc lui, ça propose. Et il y a même l'autre secteur même, qui proposait un chambardement total. Ça veut dire que, et, qui t'est tombé et rebattre 4 planètes, rebattre 4 planètes, recommencer tout processus la net et on dit pour ta qu'on vote de préférence au lieu que c'est façon ça que monsieur Tefel. Donc voilà. Donc c'est dans condition ça nous est. Donc dans le cas venir des monde qui gagne un peu d'inquiétude pour que pas une implosion avec pour que en dedans conseil là même il pas implosé et puis sortant de la conseil là tomber, il y a parti qui devait candidat qui devait représentant et décider retirer représentant dans le conseil là. Donc ça c'est déjà mais pas c'est pas un mécanisme qui dit que si on m'a empêché pour quelque raison, est-ce que pas un mécanisme qui dit qui j'en peux remplacer, est-ce que même parti a est-ce que mon qui là c'est pour place position c'est pour parti aller. Par exemple, famille Lavalas qui est un représentant, ou bien Montana qui est un représentant, est-ce que position ça, c'est pour famille Lavalas liée? Donc, si pour raison quelconque représentant, quand famille Lavalas est à l'école, est-ce que ça veut dire que famille Lavalas a de choisir un autre monde, ou bien est-ce qu'on l'autre mécanique plus tard désire un autre monde? Donc, c'est tout un bail. Donc, le dossier a ouvert. Donc, n'a pas gardé pour un jour qu'à venir, qui s'en sera fait, et puis nous rappelons que jeudi, c'est le week-end. Donc, Jacqueline, après la Cali jeudi, donc, nous va parler un petit peu de situation de la presse en pays d'Haïti, comment ça est, jeudi, avec les journalistes qui ont dans de mauvaises conditions et qui a prescrit la vie de chaque journal arrière. Et puis, il y a un mauvais temps, la pluie qui a tombé et tout y a un peu de monde, puis parce qu'il y a une dizaine de monde mourir dans le nord, particulièrement dans la ville cap-haïtien. Et puis, dans Port-au-Prince, il y a un peu de dégâts, il y a un monde qui est obligé et chercher refuge et puis bandits tout chercher pour un quartier et Solino du mercredi monsieur a plan ça attaque pour si il pas un quartier contrôle quartier ça et bien moun courir à cacher tout. Donc ces situations ça qu'il a et Paul qui a parlé comme quoi et ce premier soldat qui n'y a pas d'arriver en Haïti et dans 5 mois de mai d'après même ça que et premier ministre Bahamien t'a fait connaître tout et puis Bahama ça paye tout pour participer tout comme Jamaïque tout et Canada fin fait entraînement t'a fait dans Jamaïque avec et pays dans région pour participer dans force multinationale qui parle en Haïti. Donc c'est tout là mais on parlait de premier contingent et Kenya t'a arrivé en Haïti n'a que c'est Kenya jusqu'à présent qui a pris tête pour toi et bien t'a arrivé en Haïti dans fin mois mais donc c'est week-end. J'aime dire noir, soit conduit qu'on n'a pas qu'à consommer alcool, et si on consomme alcool, on n'a pas conduit. Ma société nous passe un très bon week-end, après-midi à semaine à plus jeune. Je m'en ai présenté le journal radio sur télévision, et puis. Et donc, c'est, ça entre dans bonne habitude pour marrer le vendredi. Gain de l'homme pas là, mais jeudi à moi là. Et jeudi à, en général, nous avons un grand point qui a dominé l'actualité. Ou bien tout nous aurons aperçu de ça Jean-Robert Philippe pral ouais avec un rendez-vous info. Et plus quoi c'est ça m'a fait jodi a parce que jodi a son journée absolument spéciale. Et m'a commencé live tout jodi a avec yo invitation et m'a fini tout avec yo invitation. Qui invitation lié nous capable de suivre tout programme VOA Créole côté que nous invité au dans un programme spécial cap passé après rendez-vous info. À 5h, rendez-vous info a fini à 4h30 et puis l'a passé lui-même à 5h. C'est un programme spécial que nous avons réalisé dans l'occasion Journée mondiale Liberté la presse. C'est 31e édition et année ça, il y a Chili avec l'UNESCO, Chili qui prend une grosse option, qui font une grosse avancée dans le classement mondial que Reporters sans frontières fait chaque année.
Et c'est lui-même avec une escole à Nessa qui mettait en pile activité sous pied depuis hier et l'a fini demain. Elle a un rapport avec crise climatique que nous venons en pile grand rendez-vous international côté que vous parlez de gaz à effet de serre, il y a parlé de gaz carbonique, il y a parlé de changement climatique. Et je veux dire, c'est nous prenons chita plus sous journée internationale liberté la presse. Nous capables rapidement avant nous entrer la donne parler de et dans le pays d'Haïti, côté que situation est toujours et à chita sous conseil présidentiel de transition, côté que grand pile et réaction qui gagne, grand pile réaction défavorable qui fait après que et ben yo nommé par une majorité, c'est une majorité et d'a même dit écrasante, c'est 4-3. Nous connaissons que gagne 9 membres dans le conseil présidentiel de transition. Gain 2 qui pas gain droit de vote, gain 7, donc 4-3, donc c'est 4 là qui nommé premièrement et Edgar Leblanc fils et lui-même ancien sénateur qui vient coordonnateur. Il est le président mais normalement et jargon c'est coordonnateur conseil présidentiel de transition hein. Et dans même foule dans même esprit dans même joie et ben il nommé tout Fritz Belizer comme ministre premier ministre. Donc il y a une discussion qui fait surtout dans l'équipe 3 et actuellement là, on a eu une réunion, je dis encore, hier on a eu une réunion d'après information qui vient de nous sur le pays d'Haïti. On a eu une réunion avec CARICOM, ça va pas être et je dis encore, on a eu une réunion pour voir dans quelle mesure on est capable de solutionner le problème. Il y a un côté qui parle, il y a un groupe qui parle de pour avoir tout processus là. Il y a qui parle de ta simplement questionner nomination premier ministre là M. Fritz Belizer et ou bien tout que vous avez tout et processus là et vous avez fait vote là concernant président. Donc n'a pas supposé, donc normalement vous avez supposé qu'on réunion aujourd'hui hein? Donc vous pas connaître ça qui a passé là-dedans. Donc n'a pas pour nous un reportage sur ça avec Jean-Robert Philippe ou bien correspondant de n'importe quoi Yves Manuel dans le programme et rendez-vous info que Jean-Robert Philippe a présenté. En nous, on a une question classement qui fait chaque année. Son classement que Reporters sans frontières fait chaque année. Côté que le bail, bon canet, mauvais canet. La question liberté de la presse. Il y a un gros pays qui perd du place, notamment les États-Unis, perd du place. Il y a Haïti tout qui prend place. Donc ça veut dire son canet pour tout le monde, il y a des gens qui prennent mon canet, il y a des gens qui prennent mauvais canet. Donc nous allons voir ça ensemble qu'on y a là. Donc et classement ça, il y a un rapport avec 180 pays et la Voix de l'Amérique a parlé tout avec responsable bureau Reporters sans frontières qui dans Washington en parlant de Clayton Winners qui lui-même tout fait commentaire par rapport à et classement par rapport à réaction et qui tombe. Et nous dit nous t'aimer saluer quelques monde là rapidement et nous saluer Blaise qui a suivre me pas connaît est-ce que sont en bon femme si que si sont en bon et n'a pas me connaît et Irlen Calix dit si sont en bon parce que ou même ou garder donc sont en bon et n'a continuer donc il y a 180 pays qui concernaient 180 pays ou territoires qui concernaient par et classement ça. D'abord et ça monsieur Winners dit qui a la tête et bureau qui dans Washington non, il dit que il voit que grand gouvernement yo avec responsable politique yo même yo représenté yo gros menace pour journalistes yo. Et il dit que en pile fois yo wè que ki jan que gouvernement yo avec politiciens yo la gè gros verni sous la presse yo critiquer la presse toute la journée toute la nuit et même yo même utilisé et appareil gouvernemental là comme appareil gouvernemental yo comme zam pour yo ka critiquer et la presse. Donc yo commencé par yon pays qui lui-même fait un gros baisse, c'est pays Argentine qui enregistré plus gros baisse dans classement. Donc, il sortit dans la 40e place pour tomber dans la 66e place. Ça veut dire qu'il perdit
il perdit 16 places. On a parlé de l'Argentine. Et dans l'analyse, on dit que ça qui a expliqué gros baisse ça bon côté Argentine, c'est élection nouveau président Milei. Yo dit Milei lui-même et Javier Milei lui-même, c'est un monde qui lui-même il dit il exprimait et hostilité par rapport à la presse et yon une décision que le prend et qui fait un pile monde parler en pile c'est financement que le retirer dans médias publics et là et tout gros accusation sous la presse. Donc Milei qui gagne qui fait face à une grosse difficulté avec réforme économique que l'a fait dans le pays Argentine et avec manifestation toute la journée, toute la nuit, gros manifestation, c'est des milliers de monde qui prennent la rue. Donc lui-même l'a fait. Lui-même dans le moment n'a parlé là Argentine tombée en 66e position. Il faut dire que la Voix de l'Amérique t'est essayé entrer en contact avec l'ambassade Argentine dans Washington. La Voix de l'Amérique voyons email ba yo pour te réagir. Mais dans le moment n'a parlé là pour qu'on ait une réaction qui sortit bon côté ambassade pays Argentine qui trouvait dans Washington. N'a continué avec classement et classement numéro 1 n'a pas changé. Numéro 1 n'a pas changé en parlant de la Norvège qui était numéro 1 mondial dans affaires liberté la presse. Et nous capables pendant que nous en Norvège qui numéro 1, nous avons tout été tout dans top 5, ça veut dire 5 premiers. Qui c'est après la Norvège, jouen Danemark, la Suède, la Hollande avec la Finlande. Et dans que camionnette là, donc nous faisons top 5 là, nous capables de top 5 dans le cœur en parlant de Iran, on prend bien dans le cœur, Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie avec Érythrée. D'abord deux top 5 yo, top 5 dans tête là, c'est la Norvège, le Danemark, la Suède, la Hollande avec la Finlande et puis dans que camionnette là nous joignent Iran, Corée du Nord, Afghanistan, la Syrie avec Érythrée. Qui situation États-Unis? États-Unis lui-même il perdu 10 places. Il tombé en 55e place. Donc il perdu 10 places. Donc il sorti dans 45e pour tomber dans 55e. Yo bah une explication c'est à plusieurs arrestations journalistes qui fait et puis des sortes de liens qui étaient faites dans le journal dans Kansas. Donc tout ça fait que ça a affecté carnet les États-Unis. Donc l'autre réaction encore gagné Emily Wilkins qui est président National Press Club dans Washington, il croit que c'est un bagage qui fait mal en pile. Là on paye tant coup les États-Unis et ben gagne menace sur liberté la presse. Il dit que ça va tête fait mal, ça va être sauté, les yon bagay comme ça rivé. Li signale tout et ça qui t'a qu'à expliquer ça c'est que gen discours politiciens yo qui en pile fois yo critiqué la presse et ont montré comme si la presse c'est ennemi peuple là et Emily Wilkins dit comme ça que chaque leur fait ça c'est un coup que bay la démocratie et yo fait pays vinn pi faible. Toujours d'après classement 2024 Reporters sans frontières là yo parlait de ça là aussi. Là aussi, t'as semblé que l'y fait progrès, mais y a un progrès tête chargée. Parce que là aussi, je prends deux places pour le monter en 162e position. Il était dans 164e, l'y cognal fait progrès dans 162e position. Mais, Reporter sans frontières précisait que son classement qui a trompé nous, faut nous faire attention. Parce que, là, dans 162e position, son bagage qui est grave. Et il a expliqué qu'il en fait que la Russie lui-même touche, prend mauvais canet, et dans question ça il dit que c'est pas que la Russie gain bon canon là ici qui gain mauvais canon mais ça qui passe c'est que gain pays situation plus grave dans yo que pays la Russie. Donc facteur qui explique mauvais canon la Russie c'est parce que li emprisonné plusieurs journalistes et gain deux là-dedans c'est journalistes et américains. Premier c'est Ivan Gerkovich qui sont reporter Wall Street Journal qui est en prison depuis 2023 en bas accusation espionnage. Ça que ni journal là ni gouvernement américain yo même yo démenti et département d'état dit emprisonnement journaliste ça qui a 32 ans ça pas gain base li pas gain bon fondement. Et puis deuxième journaliste américain c'est Alsou Kirk Macheva qui est rédacteur yo télévision sphère la Voix d'Amérique en parlant de Radio Liberty qui est en prison depuis octobre
2023. Peut-être qu'il était plié inscrit comme soi-disant agent étranger. Il était diffusé Moscou, dit nouvelle sur Moscou, que Moscou considérait comme fake news ou bien mauvais information, notamment sous l'armée dans le pays la Russie qui nous connaît, qui font invasion dans le pays Ukraine. Et puis, on dit que les gros groupes qui défendent la liberté de la parole, ils critiquent surtout le département d'État, ils disent qu'ils ne prennent pas une position claire pour Kornacheva, qui, eux-mêmes, ils disent, s'ils disent que l'emprisonnement n'est pas campé sur rien, peut-être que ça a aidé pour la Russie libérer. Mais il y a un département d'État qui parlait avec la Voix de l'Amérique qui dit que le gouvernement a fait un pile travail, il y a un voyage spécial, et non seulement sous cas ça, mais sous l'autre cas encore qui a un rapport avec l'emprisonnement journaliste. Mais pire mauvais à joindre pays, la Chine, qui d'après classement, c'est pire mauvais pays dans le monde sous question emprisonnement journaliste. Étant donné qu'il côté situé, il est en 172e position. On dit que malgré que nous avons une pile de mauvaises nouvelles sur le classement, mais il y a une bonne nouvelle. On a partagé l'avant. Et par exemple, il y a une amélioration pour l'Ukraine qui prend 18 places, qui montait en 61e place. Et en Amérique du Sud, ça c'est une grosse victoire. C'est le Chili qui prend 31e place pour le classer qu'on y a en 52e position. Haïti lui-même prend 6 places. Haïti est trouvé en 99e position. Il prend 6 places qu'on y a trouvé en 63e position. Il devant Guinée-Bissau. Et puis, non, il est derrière Guinée-Bissau. Et puis, il devant Sénégal. Haïti est 55 points, 92. Donc, bonne amélioration pour Haïti. On dit que Anessa, qui c'est 31e édition, parce que c'est en 1993, et que les Nations Unies ont décidé de faire le jour ça, 3 mai, à une journée nationale, internationale plutôt, mondiale, liberté, la presse. Et Anessa, ils ont mis un pile accent, et on dit que dans tête toute activité, ça, c'est UNESCO avec Chili, qui organisait plusieurs activités pour montrer qui que liberté, la presse, capable, profitable, pour toute activité qu'a faite pour changement climatique. Ouais, dans tout gros, événement, dans gros rassemblement international, il y a toujours parlé de libre, il y a parlé de changement climatique, il y a parlé de gaz à effet de serre, tout ça. Donc, il y a montré que, la presse capable de jouer un gros. Après-midi, nous allons gagner deux programmes spéciaux, notamment rendez-vous qui prend le programme spécial parce que la focus sur journée 1, liberté, la presse, journée liberté la presse, et puis nous avons un spécial et à 5h, côté que nous recevons des confrères, notamment yon nan moun qui particulier à travers les sports que nous tendons, Robertson Alphonse qui était confrère nous, qui travaille jusqu'à présent pour une nouvelle liste et les mêmes étaient victimes d'un tentative d'assassinat. Mais gloire à Dieu, il est toujours vivant, il est aux États-Unis et il continue à travailler pour Nouvelis. Donc c'est là que nous mettons fin dans le live tout chaud pour après-midi. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Et nous demandons pour brancher après-midi à plus toujours avec Jean-Robert Philippe qui va le présenter nous. Rendez-vous info. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. Nous avons commencé avec une invitation. Je vais finir avec une invitation. Donc l'invitation, c'est assez que tapant pour nous capables de suivre le programme spécial ça dans l'occasion journée Liberté la presse. Donc nous saluons tout le monde, merci pour tous les amis qui étaient branchés dans le moment ça. Ça fait nous tout plaisir, en pile d'être branchés. Merci pour tout bravo ça et pour tout l'autre monde qui tape sur nous